1, 2. C'est passé. Ouais. À la santé du roi Neptune qui nous accueille dans l'Atlantique Sud. Je ne sais pas si on peut dire que cette eau qui a été épuisée et désalinisée au niveau de l'équateur. C'est une bête de scène. Un gros costaud. Un super puissant, pas très grand mais vraiment étonnant. Ultra léger surtout. C'est bien ça son immense qualité. Il a été capable ces dernières heures de s'extirper d'un poteau noir qui pourtant lui avait collé dans les quilles un grain ultra violent. Et puis, sans transition, il a su reprendre ses esprits pour foncer dans la foulée vers le Grand Sud, pile à travers un autre univers, un autre hémisphère. Idexport est un sacré trimaran. Conçu il y a 9 ans pour Franck Hamas, il a déjà porté plusieurs noms et remporté 1000 victoires parmi lesquelles, et pour ne citer qu'elles, les deux dernières éditions de la Route du Rhum. L'idée, c'était vraiment de faire un bateau beaucoup plus petit, léger, puissant par sa largeur, mais léger, pour être le plus polyvalent possible. Son point d'orgue, ça a été le trophée Jules Verne en 2010, et Franck Hamas a eu dans l'idée de courir la Route du Rhum sur ce bateau-là, qui avait été à la base conçu pour un équipage de 10 personnes. On a adapté un peu le bateau pour du solitaire, et puis, à la surprise générale, il a traversé et il a gagné cette Route du Rhum. Bon, Francis Joyon, pour ce trophée Jules Verne, parie sur la polyvalence et la légèreté d'Idexport, qui s'avère donc le plus petit des trimarans géants. Il sait tout faire, Idexport. Surtout, il permet d'atteindre des vitesses extraordinaires. On atteint des vitesses de 40 nœuds avec un bateau qui est sain, qui ne plante pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est un atout formidable pour attaquer dans le sud. On a une option de bateau très léger, qui est très réactif, et ça aussi c'est énorme. Il vibre, il vit, il valse au rythme des vagues, un peu comme un drôle de génie. Il réserve des surprises aussi, c'est Boris qui le dit. Il y a des journées, des très belles journées à bord où on oublie complètement le bruit parce que le bateau glisse, on a l'impression que ça va avec une légèreté énorme. Et après, il y a des allures où les vagues sont moins bonnes, ils viennent de l'avant du bateau et là, tu as l'impression de perdre tes dents parce que ça donne des chocs et des impacts très brutaux. Au fil de toutes les aventures qu'il a déjà vécues, le bateau de Francis Joyon a prouvé ses forces et sa valeur. Il est fiable, il est solide, il est rusé, il est léger. Ses hommes lui font confiance, alors avouez, on est tenté de penser qu'ils ont bien raison, non ? Voilà, maintenant on essaie de faire marcher le bateau le mieux possible.